Thank you.
Venez au banquet du Fils de l'homme.
Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir
suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brises les chaînes? La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur, je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il a été livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin.
Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment, je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, en ce soir de la scène, nous sommes témoins d'un triple abaissement de notre Seigneur, celui de sa passion, celui du lavement des pieds et celui de l'Eucharistie. Dans sa passion, donc, Jésus va donner sa vie, va être réduit au rang des esclaves, il va être dépouillé de tout, même de ses vêtements, même de sa, on dirait, de sa dignité. Et il va le vivre pour nous, et c'est déjà présent ce soir dans la scène du Seigneur, parce que la messe est déjà l'explication de ce qui va se passer. La messe est déjà l'anticipation mystérieuse, sacramentelle, du sacrifice qui aura lieu le lendemain. « Prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. » Quand Jésus est sur la croix, ce n'est pas une évidence qu'il est livré, que lui-même se donne, que c'est un sacrifice. Ça ne ressemble pas exactement au sacrifice que faisaient les prêtres dans le temple. Et pourtant, c'en est un, et c'est ce soir, le jeudi, que Jésus en donne la signification, qu'il fait comprendre « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Ceci est mon sang versé pour vous, je le verse pour vous. » Donc cet abaissement de la passion est déjà présent ce soir dans l'Eucharistie et va nous rester pour nous accompagner tout au long de notre vie, pour accompagner la vie de l'Église, être rejoint par ce sacrifice, être rendu contemporain du sacrifice du Christ à chaque messe. Le deuxième abaissement, donc celui de l'Eucharistie, c'est le fait que Jésus se fasse pain pour nous. Jésus se fait notre nourriture. Jésus se livre entre nos mains. Nous pouvons presque en faire ce que nous voulons. D'ailleurs, parfois, eh bien, nous sommes attristés par des actes de profanation, des tabernacles qui sont brisés, des ciboires qui sont volés, parfois les hosties jetées par terre. Ou parfois, on ne sait pas ce qu'elles deviennent. Jésus a pris ce risque en se mettant entre nos mains. Le fait d'être abîmé, d'être atteint au travers du sacrement de l'Eucharistie. Vous savez que lors de l'adoration du Saint-Sacrement, lors du salut du Saint-Sacrement, nous disons toujours, après la bénédiction, les louanges divines. Eh bien, ce sont des louanges en réparation de tous les outrages que Jésus souffre dans le Saint-Sacrement. Ça a été conçu pour ça, pour compenser. Nous louons le Seigneur présent au Saint-Sacrement pour compenser les outrages qu'il peut
y subir. Donc, Jésus aussi, donc Jésus se livre entre nos mains. Il se fait notre nourriture, ce pain. C'est quand même étrange. Dieu veut être mangé par nous. Dieu veut venir habiter en nous. Pour ça, il se fait notre nourriture. On n'a jamais fini de se laisser toucher par ce mystère de la bonté de Dieu qui veut nous rejoindre dans notre intimité la plus profonde. Et comme on dit souvent, normalement, quand on mange une nourriture, nous l'assimilons. Et bien là, c'est l'inverse. Quand nous mangeons le corps du Christ, c'est nous qui sommes assimilés par le Christ. Et c'est nous qui rentrons dans la chair du Christ. Nous devenons le corps du Christ. Nous devenons un élément du corps du Christ. Et Jésus veut bien faire de nous des membres de son corps. Voilà, dans son humilité, dans son abaissement. Le troisième abaissement que notre Seigneur réalise aujourd'hui, donc, c'est ce lavement des pieds par lequel il exprime bien qu'il est venu comme notre serviteur. Évidemment, ces trois abaissements nous montrent que Jésus est là pour nous et qu'il est à notre disposition. Et à chaque messe, quand nous allons à la messe, en fait, nous venons apprendre ça. Et messe après messe, nous sommes témoins de ces abaissements du Christ qui se fait notre serviteur, notre esclave, notre nourriture, l'hostie vivante, c'est-à-dire la victime du sacrifice réparateur de nos péchés. Nous le vivons à chaque messe, et à chaque messe, nous demandons au Seigneur cette grâce d'apprendre de lui, à devenir comme lui, à nous aussi, savoir être les serviteurs les uns des autres, savoir se laisser manger par les autres, se laisser sacrifier pour les autres. Alors ce sont des belles paroles, hein, bien sûr, que je dis, mais en les prononçant, je m'effraie en même temps de me sentir si loin, et peut-être chacun d'entre nous ici se sent peut-être bien loin de réaliser des paroles aussi fortes, mais il nous faut quand même les entendre, il nous faut quand même les dire pour nous en laisser pénétrer, hein, et pour être incité à demander vraiment au Seigneur, messe après messe, cette grâce, et bien d'être des imitateurs du Christ, d'être d'autres Christ. Et en cette fête qui est aussi donc la fête de l'institution du sacerdoce, c'est évidemment aussi un exemple que le Seigneur donne d'abord aux prêtres. Je vous suis reconnaissant de toutes vos prières pour que nous grandissions selon le plan du Christ et que nous soyons pour vous de vrais modèles. Nous aimerions l'être. Nous prions pour ça avec vous. Nous le demandons au Seigneur. Je pense qu'on fait quelques petits efforts pour ça. Mais continuez à bien prier pour nous, à prier pour vos prêtres. Quand vous priez pour un prêtre, c'est très rentable de prier pour les prêtres, parce que comme ils sont à votre service pour vous aider à grandir dans la foi, quand vous priez pour eux, vous priez aussi pour vous en même temps. Donc vous avez tout à y gagner. Je vous remercie de le faire, de le vivre. Je vais maintenant imiter le geste du Christ qui a lavé le pied de ses apôtres. 12 hommes parmi vous représentant les apôtres vont venir dans le cœur de l'Église, et c'est toujours pour moi une joie de le faire. J'aime à laver les pieds ce soir. La liturgie me le demande et je le fais sans difficulté. Je trouve ça tellement beau, et j'espère que ce n'est pas juste du théâtre, mais que c'est l'expression de quelque chose que je souhaite vivre pour vous ici, avec mes confrères. Amen. Quand les bancs seront installés, j'invite les personnes désignées à venir s'asseoir.
en ce jour où nous nous tendons à ta main pour votre fils, des serviteurs, des serviteurs, pour toute l'humanité. Loué sois-tu, Seigneur Jésus, pour les évêques, les prêtres et les diacres qui se donnent sans compter au service du peuple de Dieu. Donne-leur de vivre leur mission dans la confiance et la joie. Ensemble, nous te prions. Loué sois-tu, Seigneur Jésus, pour les responsables politiques, pour les élus qui vivent leur mission comme un service. Aide-les à discerner les besoins les plus urgents de notre société. Ensemble, nous te prions. Loué sois-tu, Seigneur Jésus, pour les catéchistes qui se dépensent sans compter au service de la bonne nouvelle. Inspire leurs paroles et leurs gestes aux quatre coins de la terre. Ensemble, nous te prions. Seigneur, regarde-nous et sauve-nous. Loué sois-tu, Seigneur Jésus, pour les familles de notre assemblée réunies en ce jeudi saint. Inspire-leur des gestes de solidarité envers les plus pauvres et les plus délaissés. Ensemble, nous te prions. Seigneur, regarde-nous et sauve-nous. Seigneur Jésus, serviteur des serviteurs,
Nous sommes fortifiés
Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices plus récents. Nous te présentons à vous, ta Sainte Église. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par ton cœur. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre Pape François, notre évêque Marc, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique au-dessus des âmes. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et pour les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Le jour même, notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples pour qu'ils les célèbrent les mystères de son corps et de son sang. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bienveillance, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes époux par le Christ notre Seigneur. Seigneur Dieu, nous en prions, baisse et bénis et accueille cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la par toi, digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille du jour où il devait s'ouvrir pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes. Et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père tout-puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré.
Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix par le Christ notre Seigneur. Amen. Pécheurs et serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde et en ta appelez-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Elias, Alexandre, Marcel et Pierre, Félicité, Père Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans vous tuer sur la mérite, les en accordant largement ton parole, par le Christ, notre Seigneur. Par lui, Dieu sait de créer tous ses biens, tu les sentis, leur donne les bénis et nous en fait. Thank you.
jusqu'à toi. Salut.
Vous pouvez venir au